thelandofisrael.com and Israel National TV. Live from the heart of Israel, it's Tuesday Night Live in Jerusalem. Pourquoi nous ne divisons pas Jérusalem comme ils ont divisé Berlin? Pourquoi nous ne divisons pas la terre d'Israël comme ils ont divisé le Vietnam? Nous, l'ona kasinu al kutz, parce qu'il y a 3000 ans, le roi David a reçu Jérusalem de l'Éternel, et tous les empires qui voulaient détruire Israël, l'Islam, Rome et Babylone, ils ont toujours brûlé Jérusalem, parce que Jérusalem est le cœur du peuple hébreu. Les musulmans qui veulent voler la moitié de Jérusalem veulent voler notre cœur, mais notre cœur n'appartient qu'à Dieu. Jérusalem n'appartient qu'à Dieu. La libération de Jérusalem en 1967, c'est le début des temps messianiques. Pourquoi nous ne divisons pas Jérusalem comme ils ont divisé Berlin? Pourquoi nous ne divisons pas la terre d'Israël comme ils ont divisé le Vietnam? Nahnu lo nakasinu al Quds. En 1948, Yitzhak Shamir a donné l'ordre d'éliminer Bernadotte, parce que Bernadotte voulait donner tout Jérusalem et tout le Negev à l'islam. Et Yehoshua Cohen, qui a éliminé Bernadotte, est devenu l'ami et le garde du corps du premier ministre Ben Gurion. Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent voler Jérusalem. Parce que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. Pourquoi nous ne divisons pas Jérusalem comme ils ont divisé Berlin? Pourquoi nous ne divisons pas la terre d'Israël qui appartient au peuple d'Israël? J'ai eu un rêve, j'ai vu le roi Salomon qui descendait du ciel. Il a donné un nouveau jugement. La fausse mère, elle a dit « Coupez le bébé, coupez Jérusalem !» Et la mère juive, elle dit, ne coupez pas le bébé, ne coupez pas Jérusalem. Et le roi, il chante, si vous voulez diviser Jérusalem, c'est parce que Jérusalem ne vous appartient pas. Jérusalem n'appartient qu'à Dieu.